Bonjour et bienvenue à la mini-formation Psychopop. Le thème de ce mois-ci est son histoire, comprendre son histoire. Et quand je parle de son histoire, ici, je vais être spécifique sur une partie, parce qu'en réalité, on pourrait faire l'histoire au complet, mais là, on va faire juste l'histoire de la petite enfance et essayer de voir s'il y a un impact, des répercussions sur le reste de notre vie. J'ai déjà entendu dire par certains que non, il n'y avait pas vraiment d'influence, et moi, je suis plus du genre de personne qui croit que oui. Et non seulement ça a une importance, c'est l'ancrage même de ma façon de penser, d'agir, de réagir. Mon comportement peut même découler de certains événements reliés à mon histoire de ma petite enfance. Donc, pour m'aider et pour vous aider à comprendre mieux le sujet, aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Donc, je vais prendre une feuille parce que c'est un peu long pour le présenter. Donc, avant de nommer son nom, je vais nommer un petit peu d'où il vient, un peu son bagage, mais je vais focusser surtout sur un aspect, et vous allez voir pourquoi après. Donc, il est docteur en neurosciences et en psychothérapie. Il est fondateur de l'Institut de développement de l'enfant et de la famille, d'où on tourne justement en ce moment. Et c'est sur cet aspect-là qu'on va travailler un peu aujourd'hui. Professeur à l'Institut de psychothérapie corporelle intégrée et chercheur au laboratoire santé, éducation et situation de handicap de l'Université de Montpellier. Donc, mon invité aujourd'hui est Dr. Joël Monzé. Donc, bonjour Joël. Alors, on est ici dans tes locaux, dans tes bureaux de l'Institut. Pourrais-tu nous dire qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le but, le fondement de cet institut-là et ton apport ici? Mais écoute, tu vois, le principal des choses, c'est que bien souvent, les enfants, ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. Et deuxièmement, ils n'ont pas nécessairement toujours la patience ou les mots nécessaires pour pouvoir exprimer ce qu'ils vivent. Donc, le travail avec les enfants pour les aider à mieux gérer leurs émotions et mieux s'adapter à leur environnement, que ce soit l'environnement familial ou scolaire, c'est de passer par le jeu. Donc, j'ai besoin d'un local qui me permette aussi bien de faire des travaux, du travail avec les enfants avec le ballon, que des gros blocs comme on voit ici en arrière, qui vont permettre par exemple à des enfants de 5 ans et moins de jouer, de rouler, de construire des maisons. Et tout le jeu, toute la symbolique dans laquelle ils vont s'exprimer à travers le jeu va servir premièrement moi à mieux comprendre c'est quoi leurs enjeux, parce que leur jeu me permet de mieux comprendre ce qu'ils vivent. Mais deuxièmement, le jeu dans le sens de la façon où ils jouent, la façon dont ils jouent, les questions qu'ils posent, les difficultés, la manière dont ils vont attirer l'attention, par exemple. C'est certain que de manipuler des gros blocs, c'est encore plus facile que de manipuler des Legos, mais en même temps, il y en a certains qui vont dire ah, je suis pas capable, donne-moi un coup de main, je regarde l'interaction. Et j'aide le parent à interagir avec son enfant, c'est-à-dire que si le parent réagit de manière douce et bienveillante, ferme et cohérente, ça va permettre aux parents de développer aussi des habiletés pour accompagner mieux son enfant. Donc, je travaille beaucoup avec l'enfant et ses parents. Ça nous permet vraiment de construire des choses plus intéressantes. À d'autres moments, on va faire des jeux de ballon où il y a des règles successives qui se mettent de manière à faire monter la vitalité. Et la vitalité, c'est le plaisir de vivre, c'est le stress, c'est l'envie de gagner, c'est la peur de perdre, le temps qui passe, la volonté de jouer, parce que parfois, je vais utiliser le jeu comme récompense aussi. Ça va amener avec les plus grands cas vers 10-12 ans, on va leur demander d'abord de jaser un peu et puis on va passer par le jeu. Donc on va travailler le délai à leurs besoins ou à leur envie. Quand le lien est bien installé, c'est très fin. Et donc on va vraiment s'arranger pour remettre l'enfant dans des conditions gagnantes pour qu'il puisse apprendre des meilleures habiletés sociales selon son âge, selon ses besoins. C'est bien. Je pense que ton approche a quelque chose de génial dans le sens que l'enfant qui vient voir un thérapeute n'est pas à l'aise. Non. Il ne sait pas à quoi s'attendre, il ne sait pas comment intervenir. Il y a le regard du parent, des fois, qui veut plaire aussi. Il ne veut pas déplaire aux parents sans savoir comment interagir. Alors que s'il entre dans le jeu, il fait abstraction qu'il est en observation. Tout à fait. Il va se laisser aller vraiment à son essence, sa nature, ses blocages, ses peurs et tout le reste vont s'exprimer. Donc, c'est génial parce que tu décodes l'enfant sans être obligé d'aller dans son milieu. Oui. Parce que souvent, pour arriver à ça, il faut aller dans le milieu de l'enfant. Alors que là, toi, c'est comme si il arrive à décrocher
Et là, tu peux vraiment avoir une lecture juste tout à fait de qui est l'enfant et de l'interaction du parent avec son enfant. Et c'est très important parce que cet aspect systémique, on ne l'a pas dans les évaluations formelles. Mmh. Tu vois, quand un enfant est en difficulté à l'école ou à la maison, on va l'emmener voir un psychologue ou un neuropsychologue qui vont faire passer toute une série de tests qui sont dégrounded de la réalité de l'enfant. Ce sont des tests formels qui ne remettent pas les choses en perspective. Mmh. Mon enfant, la première chose dont il a besoin, c'est d'avoir une attitude bienveillante de la part de l'adulte et d'avoir de la cohérence. Sans bienveillance, sans cohérence, il se désorganise. C'est pas une maladie mentale, c'est simplement la normalité pour un enfant. Et c'est cette normalité, quand on l'accompagne bien, qui va permettre à l'enfant de développer des belles habiletés pour rentrer en contact avec les autres et s'impliquer dans sa vie. Alors que quand on malheureusement lui donne un médicament, on risque d'effacer toute une série de choses qui auraient dû être bonnes pour lui, pour son développement. Exactement. Donc, revenir à la base, mm-hmm. corriger à la base mm-hmm. pour ne pas avoir de mauvaises répercussions plus tard. Oui. Ou geler. Oui. Geler, ne pas corriger la base pour faire en sorte que si on enlève une certaine... Je ne dis pas que la médication n'est pas indispensable, parfois elle peut l'être, mm-hmm. mais on la donne trop facilement, à mon point de vue. Et à ce moment-là, le travail n'ayant pas été fait, l'enfant se retrouve désorganisé dans des conditions plus complexes, mm-hmm. parce qu'avec l'évolution, il y a une complexité qui s'ajoute. Et là, il va décrocher, il va plus être fonctionnel, même on va avoir des problèmes. J'ai remarqué même, tu pourras me corriger, parce que je travaillais avec des enseignants, où certains enfants qui étaient vraiment sur le bord de décrocher, vraiment, on voyait que ça allait vers le décrochage dans l'année, on les a questionnés sur juste au point de vue académique. Mais on ne voulait pas voir le côté comportement, parce qu'on était dans une structure d'école. Hein. Donc, on voulait voir juste le côté académique, que ces gens-là ont eu des manques académiques à la base, mm-hmm. qui ont, exemple, j'ai pas compris les fractions, mm-hmm. mais j'ai passé quand même mon année. Donc, l'année d'après, au niveau mathématique, la complexité, c'était la division des fractions, mais je comprenais déjà pas ma base de fractions et on ne me l'a pas corrigé. Et après, c'est devenu tellement compliqué que je comprends plus rien. Puis, on essaye de m'expliquer ici l'exercice à faire, alors que je devrais réexpliquer la base. Mm-hmm. On ne revient jamais à la base. On ne revient pas à la base, alors que tout découle de la base. Oui, tout à fait. Et c'est de là, comprendre son histoire, d'où le thème de ce mois-ci, c'est que mon histoire, en réalité, je pourrais aller plus loin. Hein. Je crois qu'on est d'accord que même la grossesse est importante. Oui. Il y a vraiment une mémoire, il y a vraiment quelque chose qui s'installe au niveau de la grossesse. Je donnerai un exemple. Tu te souviens de la crise du verglas? Oui. Et bien, toutes les mamans qui ont été délocalisées pendant la crise du verglas, qui ont dû aller loger dans des écoles ou dans des centres sportifs, ont été suivies par l'hôpital Douglas. Et ils ont remarqué que les enfants qui étaient entre leur sixième et neuvième mois de préparation à la naissance, mmh. d'accord, donc dans le dernier tiers de la grossesse, eh bien, ce sont tous des enfants qui ont beaucoup plus de difficultés à réussir à l'école. Donc, le stress de maman pendant 10 à 15 jours, 3 semaines éventuellement pour certaines personnes, d'avoir dû gérer la crise du verglas, puis on s'entend, c'est pas une guerre, c'est pas quelque chose de dramatique, on parle pas de lac mégantique ni quoi que ce soit, c'est juste une délocalisation à cause de problématiques d'électricité, eh bien, ça influe sur le développement scolaire et le développement émotionnel de l'enfant tout au long de sa vie. Donc, l'histoire, elle est très importante. Tout à fait. Donc, ici, on va essayer de voir l'histoire, justement, grossesse, on peut l'inclure, mais parce que les gens croient que non. Moi, je sais que oui, il y a un impact, puis tu viens de le confirmer avec les études. Aller jusqu'à ce qu'on appelle la fin de la petite enfance, 6-7 ans. Mm-hmm. Donc, l'enfant vit des difficultés, vit des problématiques reliées à son âge, mm-hmm. qu'on sait. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comment il va résoudre ces difficultés-là, le soutien qu'il va avoir ou qu'il ne va pas avoir. Et dans son expertise à lui, dans son vécu, il y a aussi un vécu qui s'appelle les parents. Eux aussi ont une histoire. C'est-à-dire, oui. Ils peuvent vivre une difficulté, une séparation, financièrement un échec là aussi. Et même là, ça a une influence. Et les gens croient que non. Écoute, le côté financier, l'enfant le voit, il le vit. Il le vit par l'intermédiaire. Les gens, tu nous expliques un peu qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Comment l'enfant... En fait... Moi, je dirais qu'il y a deux choses importantes. C'est que le cerveau se développe progressivement et que les premières années de vie de l'enfant sont gérées essentiellement par deux zones dans le cerveau.
ce qu'on va appeler le cerveau émotionnel, dont le cortex cingulaire, qui est la première couche de cortex qu'on va retrouver chez le chat, le chien et le rat, d'accord. Et puis alors après, on a le néocortex qui apparaît avec les primates, dont l'être humain en fait partie. Et c'est la partie essentiellement émotionnelle et le cortex droit qui va prédominer pendant les 6 à 10 premières années de l'enfant. Le plus bel exemple, c'est la création, la notion de temps plutôt. Quand on dit à un enfant, même de 7-8 ans, on parle dans 15 minutes, il ne sait pas c'est quoi 15 minutes. C'est pour lui, attendre 5 minutes maman, c'est plus long que de regarder une émission d'une demi-heure à la télévision, même quand c'est son émission préférée. Donc le temps est très relatif en fonction de l'affect. Ce n'est qu'à partir de 10-12 ans que le temps devient concret, comme le temps que toi et moi on va utiliser. Alors, ça reflète très bien l'évolution de l'organisation du cerveau qui va atteindre sa maturité vers 40 à 45 ans. D'accord ? Donc, beaucoup de choses se jouent jusqu'à 6-7 ans, c'est certain, mais on a encore plein d'occasions par la suite de réorganiser son cerveau. Alors, je reviens par rapport aux premières années de la vie. Le cerveau émotionnel, le cortex cingulaire, est très sensible aux ambiances, pas aux faits. Bien souvent, on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi l'enfant, il n'est pas à l'aise d'être à l'école ou d'être anxieux. Il ne devrait pas être anxieux d'être à l'école. Mais sauf que l'école, c'est un lieu dans lequel l'enfant a, il peut être loin des personnes ressources, papa, maman. Sa sécurité. Sa sécurité. Il y a des enjeux relationnels. Je t'aime plus, t'es mon ami, t'es plus mon ami. Il y a des gangs qui commencent à se former et ainsi de suite. Il y a le stress de performance. Il y a des adultes qui parfois manquent de formation au niveau de l'encadrement des enfants, surtout au niveau des éducateurs dans le contexte, entre autres des cours de récréation, où il y a beaucoup de situations parfois délicates qui se font, qui ne sont pas assez bien gérées pour aider les enfants. Le jeu de la vie, on appelle. Exactement. Mais ce jeu de la vie fait en sorte que ça a un impact sur sa gestion émotionnelle. C'est l'ambiance qui va créer un environnement qui va être anxiogène pour l'enfant. Et s'il n'y a pas d'adulte de référence en qui il peut vraiment s'appuyer, ben c'est quelque chose qui est délicat. Puis l'autre chose aussi qu'on oublie, c'est vrai qu'on est passé aussi bien toi que moi par l'école, puis on a survécu à travers ça. OK? Sauf que d'être évalué 25 heures par semaine, il n'y a aucun adulte aujourd'hui qui accepterait de vivre, d'avoir un chef de service continuellement sur notre dos pour évaluer notre qualité de performance. Alors oui, l'enfant veut vouloir des 10 sur 10, mais avant tout, il veut être aimé. Et donc, il veut sa note pour être aimé, mais alors quand il n'a pas des bonnes notes, mais automatiquement, ça perturbe non seulement son apprentissage scolaire, mais aussi son lien avec l'adulte. Le lien avec le parent, le lien avec l'enseignant, le lien avec les pères. Et tout ça, ça crée en fait des environnements et des ambiances qui réveillent des angoisses existentielles. Et c'est la gestion ou la mauvaise gestion de ces angoisses existentielles qui va laisser des traces tant et aussi longtemps qu'on ne les aura pas adressées à l'âge adulte. Exactement. Donc, autrement dit, par une situation X ici, l'adulte se retrouve dans une situation anxieux, oui. Dans une situation où il ne devrait pas y avoir d'anxiété. Il ne comprend pas son anxiété lui-même, mais il la vit, elle est présente. Oui. Et ça, c'est une trace, un ancrage qui a été installé, comme tu disais exactement, à l'enfance. Et comme c'est dans le cortex singulaire, ce n'est pas facile, sans faire une psychothérapie, de retrouver la compréhension de notre enfance, parce que c'est mis dans des zones... Tu sais, comme je disais tantôt, il y a deux couches de cortex. Il y a le cortex singulaire, qui est très, très viscéral comme émotion, comme compréhension de la vie, qui est très relationnel comme compréhension de la vie, et tu as le néocortex, qui est très analytique. C'est-à-dire qu'il prend plus de temps. Aussi. Exactement. Donc, il prend plus de temps pour se développer et ainsi de suite, mais qui donne une certaine analyse. Donc, quand on est adulte, une situation stressante, on est capable de pouvoir l'identifier. Mais les situations de stress... Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'âge de raison? Je dirais que ça va au-delà de l'âge de raison, parce que l'âge de raison, je te dirais que c'est le début que le néocortex commence à prendre le contrôle sur le cortex cellulaire. C'est ça, il est à la maternelle. Oui, exactement. L'âge de raison, il débute. Donc, okay, il débute, encore... il commence à avoir un petit peu de recul pour se voir aller. Pas assez encore. Et de voir, ok, quelle est ma part de responsabilité. Tu te souviens de quel numéro? Oui, le petit poussin qui est tout le temps dans des situations
où il se met dans des difficultés parce qu'il suit les autres puis dit ah c'est trop injuste. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours. Ok, ça c'est un réflexe d'enfant. C'est normal. L'enfant n'a pas le recul nécessaire pour comprendre sa part de responsabilité quand il lui arrive quelque chose. Son implication. Sa part d'implication. Exactement. Donc quand il vieillit, quand il atteint ce qu'on appelle l'âge de raison, là il commence à pouvoir se voir aller et de voir. Ok, là quand il y a ça qui se passe. Ça c'est moi, ça il y a ça qui est un élément, ça c'est ma responsabilité. Puis on a comme responsabilité comme adulte d'aider à développer ça chez l'enfant. Exactement. À l'amener à prendre conscience de son impact, de sa responsabilité, à condition que le parent l'ait. Certains parents n'ont pas développé cet aspect-là. Oui. Et ont de la difficulté. Et même à l'inverse, le réflexe de certains parents, c'est le calimero. C'est pas moi, c'est toi. Oui, et notre société actuellement, avec tous les collectifs, c'est toujours la faute des autres. Il y a un exemple qui est assez intéressant, c'est la dame qui a mis son chat dans un micro-ondes. Son chat, malheureusement, n'a pas survécu. Et elle a accusé et gagné le procès contre la compagnie parce que la compagnie n'avait pas dit qu'on ne devait pas mettre un chat dans un micro-ondes. Oui. Donc, on est dans une société comme ça. Et c'est regrettable. Ben oui, c'est atroce. C'est regrettable parce que, justement, des fois, on lit des modes d'emploi pour dire, mais c'est absurde. Pourquoi ils ont écrit ça? Ben, ils ont écrit ça parce qu'ils ont eu une poursuite. Oui, tout à fait. Mais c'est de la déresponsabilisation de l'individu. Et donc, un adulte déresponsabilisé s'attend à ce que l'enfant soit parfois plus responsable que lui, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Mais j'en reviens à ce que je disais. Donc, toutes les situations dans l'enfance vont laisser un engramme dans le cerveau, dans le cortex singulaire, qui va produire inconsciemment nos conduites d'adulte. Si, par exemple, j'ai un parent qui est dépressif, grandir peut vouloir dire pour l'enfant, je vais devenir dépressif parce que le modèle que j'ai intégré, c'est un modèle de parent dépressif. Surtout quand c'est parent du même sexe. Je serai dépressif. Exactement. C'est comme s'il y a des gabarits émotionnels qui se construisent. Si j'ai par exemple, des parents qui sont responsables, je me construis un gabarit de responsabilité. Si j'ai des parents qui sont très travaillants, je pourrais me construire un gabarit d'adulte très travaillant et vouloir résister à ça. Ouais. D'accord? On pourrait avoir par exemple des adultes qui suivent des études jusqu'à 40 à 45 ans et leur jeune ne veut rien savoir d'aller à l'étude. Parce que pour lui, c'est un gabarit, il n'y a pas de sens. Ils sont tout le temps en train d'étudier. C'est toujours pas bon ça. Dans mon jargon à moi, c'est il achète ou il n'achète pas. Oui, exactement. Okay. Donc le gabarit peut jouer dans les deux sens. Souvent, on sait que si je suis enseignant et j'ai à cœur justement l'enseignement et je mets cette valeur-là dans mon enfant et mon enfant est en opposition à moi, il va bousiller ses études. Oui. Non pas parce que c'est pas bon pour lui, mais pour démontrer qu'il est en opposition à un aspect chez moi. Et les gens le prennent personnel, dans le sens qu'il comprend rien, il est pas personnel dans le sens, l'enfant comprend rien, il est con, il est... Non, l'enfant est en résistance à toi, et la seule place où il peut t'atteindre, c'est là où tu as un intérêt. Tout à fait, et puis l'opposition, bien souvent, elle va découler d'un degré de stress que l'enfant va vivre. Donc, quand moi j'ai un enfant qui est en opposition, avant d'imaginer qu'il est en train d'essayer de lutter contre moi ou qu'il a un trouble de comportement, ça m'informe son degré de stress. Exactement. Et si on peut arriver à l'aider à développer de meilleures habiletés de gestion de son stress, à ce moment-là, l'opposition va disparaître parce que l'objectif de l'enfant, c'est d'être aimé. C'est son but, c'est le seul. Moi, dans mon jargon, il y a différentes facettes. Il va être aimé de différentes façons, mais tout ce qu'il veut, c'est être aimé. Tout à fait. Et être aimé dans sa différence, comme être aimé dans le lien qu'il a avec l'autre. Parfois aussi, ça peut faire des difficultés pour l'enfant. Comment s'affirmer, moi, je veux arriver à développer tel aspect ou telle chose, faire telle chose, mais mon parent, il n'aime pas ou il ne veut pas, ou je vais privilégier le lien au détriment de qu'est-ce qui est bon pour moi. Donc, c'est tout l'enjeu de la séparation et de garder un lien malgré tout. Donc, on appelle ça le piège de l'identification. Oui. L'enfant va s'identifier et des fois fait des mauvaises équations, selon une situation. Mon parent m'aime, moi je l'aime, et il me dit qu'il m'aime et il est tout le temps dur avec moi. Donc, être dur avec moi équivaut il m'aime. Et plus tard, je suis exigeant envers moi, il est exigeant envers les autres, et je ne sais pas que moi-même, ce n'est pas un comportement
inné chez moi. C'est un développement, une situation que je continue, d'où l'importance de connaître cette... Tout à fait. Et c'est ça, quand je te parlais tantôt des gabarits, des gabarits émotionnels, des gabarits comportementaux qu'on va intégrer à l'intérieur de notre inconscient, si on veut, parce que ça va jouer beaucoup au niveau du singulaire, et qu'on va reproduire tant et aussi longtemps que, si c'est une bonne chose, c'est pas plus mal, parce que la rigueur, c'est une bonne chose. Mais si c'est une exigence qui m'amène à développer des risques d'avoir un burn-out, c'est là qu'on a un problème. Ou d'être ingérable dans une équipe, parce que je suis tellement, tellement exigeant que je ne tolère aucune situation d'échec autour de moi, ou aucune petite erreur, ou aucune maladresse, ça devient difficile à gérer, comme que ce soit un employé ou un employeur ou un membre d'une équipe. Donc, puis là, la personne peut répondre, ouais, mais je suis comme ça. Et ça, c'est fait. Et c'est là l'erreur. Okay? Oui. Tu n'es pas comme ça. Tu es devenu comme ça, mais tu n'es pas comme ça. Donc, la personne qui, par association, dit je suis comme ça, est en train de dire il n'y a rien à faire. Et c'est faux. Et c'est là, justement, que c'est faux. Oui. Et c'est tantôt que tu parlais d'identification. Mm. Un enfant qui n'arrive pas à créer des repères pour s'identifier risque de basculer vers l'autisme. Mm. Donc, pour pouvoir arriver à nous insérer et à grandir, on a besoin de s'identifier à un certain nombre de situations, des conclusions qu'on va en tirer ou les reflets qu'on va nous faire. Le problème, c'est que quand on s'est identifié à ça, on n'arrive plus à s'en détacher. Or, je suis comme ça. Et quand on vit, par exemple, des situations dramatiques, par exemple, on a été violenté durant l'enfance ou l'adolescence, on va s'accrocher à ces souvenirs-là, ça devient des gabarits de défense, en fait, et on oublie que c'est quelque chose qu'on a vécu, mais qui n'est pas nous. Okay, et quand on est adulte, quand on peut arriver à se détacher de toutes les identifications que l'on a créées pour pouvoir être en relation avec les autres, à ce moment-là, on commence vraiment à rentrer dans notre vie. Comment ça vit? Oui. Et ton travail ici te permet de le déceler? Oui, parce qu'en fait, surtout, on voit les incompréhensions de l'enfant. Quand l'enfant nous voit, par exemple, on parlait tantôt de sévérité, l'enfant a besoin d'une grande cohérence. Peut-être qu'avant, dans la génération de nos parents, il y avait une trop grande rigidité dans la manière d'intervenir auprès des enfants. Je crois qu'on est tombé dans l'excès inverse. Il y a un trop grand laxisme dans la manière d'encadrer les enfants. Et malheureusement, c'est plus anxiogène que la rigidité que nos parents ont vécue. Il faut revenir à une grande cohérence. Donc la cohérence est quelque chose de nécessaire. Mais quand on donne une consigne à un enfant, le fait d'expliquer la consigne, voilà, je suis exigeant avec toi parce que je veux t'aider à développer ta capacité à aller jusqu'au bout d'une tâche. Tu vois, hier, je faisais corder du bois à mes enfants, et là, ils me disaient, oui, mais c'est pas amusant, c'est pas le fun, et ainsi de suite. Je dis, ok, je sais que c'est pas le fun. Mais en même temps, on est une communauté. Quand tu veux avoir chaud pendant l'hiver, il faut du bois. Donc, à ce moment-là, accepte de corder du bois avec moi. Ok? La deuxième chose, c'est que quand tu seras plus grand, quand ce sera un peu plus difficile ce que tu devras faire, que ce soit ton métier, que ce soit un travail d'étudiant, que ce soit ta scolarité, tu voudras avoir développé ta capacité à aller au-delà de la difficulté. Et c'est ça qui va faire une personne qui va réussir ses objectifs. Qui va aller au bout. Exactement. Oui. Parce qu'il y a toujours un aspect qu'on aime moins. Et on a tendance à le mettre de côté. Et la négligence fait en sorte que je n'arrive pas au bout non plus. Tout à fait. Donc, c'est bien. Et je sais, par expérience, que l'enfant à qui on donne une consigne sans explication peut se rebuter, justement. Et à l'inverse, quand il y a la partie explication et qu'il y a un gros bon sens qui vient avec, et non pas une justification en arrière d'une peur ou d'une... parce qu'il y en a qui utilisent les mauvais outils... Il coopère. Oui. L'enfant coopère de lui-même. Et mieux que ça, on surprend ces enfants-là à enseigner ce même concept-là aux plus jeunes. Tout à fait. Parce qu'il le rejoue, en fait, un peu comme l'enfant qui joue au professeur, qui joue aux parents, qui joue à l'infirmière. Ce sont toutes des manières d'apprendre, en fait, les conduites sociales à travers tout ça. Et c'est amusant de voir le plus jeune de dire, oui, mais là, ici, tu devrais parce que... Là, tu es là, tu es témoin, waouh, c'est bon, il a compris. Mais il a compris parce que quelqu'un lui a expliqué. Oui. Et malheureusement, souvent, on entend que dans l'explication, il faut que nous, l'adulte, on oublie notre consigne. Oh oui. Et à ce moment-là, on cède sur la consigne où on est tout le temps dans une situation de négociation. C'est la dernière des choses à faire. À part si c'est une consigne ridicule de notre part, j'aurais envie de dire, gardez la consigne.
Puis si la consigne, vous n'êtes pas à l'aise, mordez-vous la langue la prochaine fois, ouais. Parce que la cohérence est nécessaire pour l'enfant. Ce qui va faire que l'angoisse ne va pas submerger l'enfant, c'est la cohérence du système éducatif qu'on va lui donner. La clé est toujours dans la cohérence. Mm-hmm. Mais les gens ne comprennent pas le mot cohérence. Et il y a une cohérence interne. Mm-hmm. Le corps doit être travaillé. Ce qu'on appelle en cohérence, c'est que deux systèmes travaillent un en fonction justement de l'autre. Et il y a une symbiose qui s'installe. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle la cohérence. C'est juste pour que les gens comprennent le terme cohérence. Et donc, un adulte et un enfant, on arrive à faire une cohérence. Okay? Dans une entreprise, on arrive à avoir une cohérence. Ça, mm-hmm. ça s'enseigne de plus en plus. Et c'est très important. Et c'est plus qu'important. C'est ce qui fait que tout fonctionne. Oui, tout à fait. Sinon, il y a dissociation et on ne sait pas comment ça va être interprété. Et on ne sait pas plus tard, quand lui va être en position de pouvoir mm-hmm. par rapport à sa vie, comment il va jouer son rôle parce qu'il y a eu dissociation. La cohérence empêche ça. Et je dirais que c'est une des problématiques majeures de notre société actuellement. C'est qu'avant, plus au Québec que dans d'autres pays, parce que l'Église catholique est restée très, très engrammée ici jusque dans les années 60. On faisait le métier de papa et l'Église nous disait comment faire les choses et ainsi de suite. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de GM à Boisbriand. Le grand-père était un GM, le père était un GM, le fils était un GM, d'accord? Un peu comme le médecin, on est médecin de père en fils ou avocat de père en fils, d'accord? Et on se... Il n'y a pas nécessairement une aussi grande liberté que ce que l'on a aujourd'hui. Moi, j'aime ma liberté. Mmh. Je préfère faire ça que de fois nécessairement le métier que mes parents auraient voulu que je fasse ou qu'eux ont fait. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les gens n'ont pas nécessairement retrouvé une cohérence dans leur vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils sont si sensibles à l'hyper-commercialisation, oui. Parce que la télévision va leur donner un semblant de cohérence et l'achat de choses va leur donner une illusion d'une certaine cohérence, parce qu'ils font partie de la masse à ce moment-là, c'est une certaine rassurance. C'est ça, ils s'identifient. Ils s'identifient aux objets, exactement. Et en fait, comme les parents ont de la difficulté à trouver cette cohérence-là pour eux, ils n'arrivent pas à la transmettre à leur enfant. Et c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus des difficultés d'adaptation et que mm-hmm. les enfants sont de plus en plus en difficulté actuellement dans nos écoles. Et pourtant, c'est simple, la cohérence. Oui. Mais encore, quand on la comprend, c'est simple. C'est ça, mais encore faut-il la développer. Il faut la développer. Et pas... Tu sais, quelque part, bien souvent, on a parlé de discipline. La discipline, mmh. c'est quelque chose de rude, de rigide. Juste le mot discipline, les gens ne veulent pas l'entendre. Et exactement. Pourtant... Moi, je préfère le mot cohérence et implication. Exactement. Si je veux m'impliquer dans ma vie, il faut que je sois cohérent. Mmh. Donc, si je veux réussir à aller atteindre mes objectifs, me donner aussi des défis, il faut que je développe mon implication et ma cohérence pour atteindre mes objectifs. En fonction de qui je suis, oui. Et non pas l'image à laquelle que je veux. Mm-hmm. Donc, il y a un travail d'introspection qui doit se faire. Tout à fait. Qui est important. Mm-hmm. Nous, on est des adultes. Oui. OK? On prend conscience pour la première fois que notre passage, justement, parce qu'en réalité, on pourrait faire jusqu'à aujourd'hui notre mm-hmm. histoire et on trouverait aussi des trucs. Mais on prend juste pour le thème d'aujourd'hui la petite enfance. Comment on peut faire ça? Nous, on s'arrête tous les deux. Là, on s'est jamais arrêté. Mm-hmm. À comment on a vécu cette partie-là de notre vie qui est vraiment présente et qui induit énormément sur ma façon d'être aujourd'hui, mm-hmm. même ma perte de cohérence peut venir justement oui. là. Alors, comment je peux m'en servir? Comment je pourrais... Mais comment moi, je pourrais faire pour... Un exercice que je propose aux gens, en fait, il y a deux exercices dans les ateliers ou dans la thérapie que je mène. Mm-hmm. Avec les adultes, on s'entend. Donc, je leur propose, en fait, d'aligner, de coller l'une à l'autre, en fait, trois feuilles 8,5 par 11, d'accord, pour faire un début de serpentin, et de tracer une ligne de temps de 0 jusqu'à 15 ans. Mm-hmm. Et ma première feuille, c'est 0 à 5 ans. Ma deuxième feuille, c'est 5-10 ans. Ma troisième feuille, c'est 10 à 15 ans. Mm-hmm. Et d'essayer de regarder quels sont les souvenirs que j'ai de cette période-là. Se remémorer. De se remémorer les souvenirs. Et ça permet à ce moment-là de voir aussi certaines situations qui ont une incidence sur ma vie d'aujourd'hui. Et quand on prépare bien les gens, qu'on les accompagne là-dedans, le premier élément, bien souvent, c'est que les gens ne vont pas se souvenir de ce qu'il y a eu avant 5 ans. Ouais. Ça montre la différence des deux cortex, en fait. Mmh. Mais plus la personne commence à laisser monter les souvenirs, plus les souvenirs vont commencer à revenir à la surface, à revenir à la mémoire et à la conscience de manière à pouvoir être indiquée. Et à ce moment-là, on peut regarder, c'est quoi la cohérence de ma vie? Mmh. Où est-ce que je me suis perdu?
Si je me souviens. Oui, l'endroit charnière, mm-hmm. on l'appelle des fois. Voilà. Oui, tout à fait. Fait que là, si, parce que j'ai ton exercice, si je comprends bien, parce que tu te rappelles des bons moments mm-hmm. et des moins bons moments. Et comment tu les situes sur. Mais en fait, ça dépend toujours un moins bon moment, par exemple. Moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Mmh. OK? Je pense que la population vient d'une famille dysfonctionnelle. Mais j'ai toujours été que... Je me souviens qu'en deuxième année, je venais de changer d'école, je connaissais pas les règles, j'ai fait une gaffe parce que je connaissais pas un aspect de la règle de l'école. Et ça a induit une deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je me fais gronder, puis moi, je regarde toujours dans les yeux. Et l'enseignante était insultée que je la regarde dans les yeux pendant qu'elle me grondait. Parce que dans cette école, le code de vie faisait, on doit couper la tête. Juste l'autorité et... Voilà. Okay. Non, je la regarde. Donc, pour être confrontation. Confrontation, j'ai ramassé une de ces gifles. Mais ça a été salvateur pour moi. C'est quelque chose d'excellent parce que pour la première fois que j'étais frappé par un adulte, l'adulte est venu s'excuser. Oh. En me disant, je n'aurais jamais dû lever la main sur toi. Et ça a été un ancrage pour moi. J'avais 7 ans. Donc oui, c'est dramatique. Je suis frappé. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est très puissant parce que j'avais un adulte qui venait s'excuser d'une erreur qu'il avait faite. J'avais jamais connu ça auparavant. Et donc, descendre son ego et se ramène. Exactement. Et te ramène. Mm-hmm. Tout à fait. Et toute l'année, ce professeur-là, je me souviendrai toujours de son nom, elle s'appelait Madame Dardenne. Mm-hmm. Cette Madame Dardenne a été vraiment un ancrage majeur pour moi, pour me permettre justement de diminuer mon degré de stress, premièrement, et deuxièmement, de développer la rigueur, parce qu'elle était très rigoureuse avec moi. Plus rigoureuse avec moi qu'avec d'autres enfants, parce que j'avais une certaine vitalité, puis il fallait m'encourager à bien la canaliser, cette vitalité-là. Et de retrouver cet événement-là, de le positionner, d'essayer, avec un regard, un recul, justement, l'analyser et regarder quels sont les impacts sur ma vie d'aujourd'hui. Mm-hmm. Ça peut aider énormément les gens, je crois. Tout à fait, parce que, de nouveau, ce sont des événements qu'on n'arrive pas nécessairement, quand on est enfant, on manque de recul, donc on ne peut pas relier les choses. Mm-hmm. Mais moi, je reviens avec l'exemple de cette Madame Dardenne. Ça a été une personne qui m'a montré que la rigueur, pour moi, était quelque chose de bon. Mmh. Même si je ne le percevais pas toujours de la bonne manière quand j'étais enfant, parce que quelqu'un qui est rigoureux et exigeant envers moi, ben, c'est un stress. Mais en même temps, c'est un stress moins grand que la désorganisation que je pouvais vivre à d'autres endroits. Mais la rigueur, par imposition... Mmh. Tu n'aurais jamais fait la même ligne. Non, parce que ça, c'est une de pouvoir. Exactement. Et parce que, justement, elle a été capable, ce qui est dur pour certaines générations, de s'excuser. Il est là. Et c'est là que je peux enfin faire confiance à un adulte. Je ne suis plus tout seul. Et je suis quelqu'un. Oui. Aussi. J'existe. J'existe, là. J'ai le droit. Elle me reconnaît. Oui. Et non pas, je suis une chose, parce que sinon, je considère comme une chose. Il n'y a pas d'excuse à une chose. On s'excuse pas des individus. Et ce moment-là charnière, et quand je le décortique, c'est-à-dire quand je le mets sur ma feuille, au moment où je le mets, je ne fais pas l'exercice, mais quand je fais le recul et je regarde les répercussions, je ne peux que dire merci. Oui, tout à fait. Et à cet événement-là, et c'est un autre événement où je peux dire, ah, c'est pour ça qu'ici, je ne suis pas confortable, ou j'ai des difficultés, ou à l'inverse, tu as vu, j'ai eu une expérience comme ça où on me faisait taire toujours. Tu déranges, tu parles trop. Donc, j'ai appris à être, pour être aimé, toujours, j'ai appris à ne pas m'exprimer. Donc, à me taire, à être l'enfant sage qui ne dérange pas, qui ne fait pas de bruit, qui est exemplaire. Il fonctionne très bien à l'école. Il ne fait pas de bruit. C'est celui qui passe inaperçu. Tu comprends? Mais ça reste dans le corps de l'enfant que le goût. Et plus tard, on me demandait mon opinion, mais j'en avais pas. On m'a exprimé, j'arrivais pas à aligner les mots à ce point-là. Mais j'étais capable de dire, ah, c'est pas moi qui est comme ça. Parce qu'on m'a mis une étiquette. Mm-hmm. Lui, il est incapable de s'exprimer. Non. Mais quand j'ai dit, non, je suis capable. Avant, j'étais capable, donc je suis encore capable. Et parce que j'ai cette compréhension-là, ce recul, ça m'a permis de commencer à... Et aujourd'hui, je suis plus arrêtable. Non, mais c'est certain que oui, mais ça fait partie des choses, oui. Et ça fait... Et en même temps, moi, ce que je me dis, c'est que les références de notre enfance, parce que toute situation agréable ou désagréable, ce sont des références. Mmh. Si je le considère comme étant des références,
je me désidentifie de ces événements-là, mais je m'en sers pareil. Mais ces expériences-là, ça nous permet de mieux rencontrer les enfants que l'on a dans notre famille ou les personnes qu'on accompagne dans notre métier respectif. Ça nous permet de voir les choses. Ah, ok, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Puis ça nous permet de comprendre aussi le cheminement singulier de chacune des personnes. Oui, d'accepter plus facilement ces différences-là, ces difficultés-là, et être, j'aime bien le mot accompagnant, d'accompagner un individu dans sa difficulté pour qu'il se retrouve. Oui. Parce qu'il est toujours là, quelque part, en lui. Des fois, enfoui. Et il va même biaiser. Fois. Une des choses qui, moi, m'inquiète le plus, c'est les enseignants et les psychologues scolaires qui n'ont jamais fait de thérapie. Parce que j'accompagne, je fais beaucoup de formations pour des enseignants, puis j'accompagne en thérapie ou en supervision plutôt des psychologues scolaires. Et je les amène à essayer de comprendre l'enfant à travers leur propre vécu. Et quand ils acceptent ce défi-là, que ce soit l'enseignant ou le psychologue scolaire, ils se rendent compte qu'ils sont en train de projeter des choses qui leur appartiennent sur l'enfant. Mais sauf que l'enfant, quand il est évalué avec un test formel, il est évalué en fonction de la vie de l'évaluateur, et pas en fonction de ce qu'il est, en fonction de nos attentes, en fonction de nos biais. Et c'est là qui est très, très délicat, parce qu'on est tout le temps en train de projeter. Toujours. Ah ouais. Donc, si on n'est pas conscient de ce qu'on projette, ben, on risque de découvrir l'autre d'une bien drôle de manière. Oui, on l'amène sur un terrain qui n'est peut-être même pas le sien. Oui. Et là, c'est horrible. Oui, c'est pour ça que le cheminement, tout en dit, ce qui est bien, une personne qui fait de l'introspection par différentes approches, autant corporelles, je ne crois pas qu'il y ait une avenue mieux qu'une autre. Il y a des individus qui sont plus sensibles à une approche qu'à une autre, d'où l'importance d'expérimenter différentes pour trouver celle avec laquelle on est à l'aise. Et là, on ne change pas nécessairement immédiatement. Mais on a comme une vigile. Moi, je l'appelle comme ça, j'ai une vigile qui s'installe et là, je me vois aller. Oh, là, je suis dans ma problématique. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Mais au moins, je le vois. Oui. Alors que l'autre ne le voit même pas. Tout à fait. Et ça, je dirais que l'âge, c'est vieillir, il y a des choses peut-être bien embêtantes parce qu'on perd peut-être un petit peu de mobilité par rapport à ce qu'on avait au début de 20 ans. D'un autre côté, notre cortex atteint sa maturité, comme je le disais tantôt, vers 40 à 45 ans. Et la zone la plus essentielle pour assurer cette vigile, comme tu me disais, c'est vraiment une zone qui met le plus de temps pour se développer. C'est peut-être pas pour rien que la plupart des gens se partent en affaires entre 35 et 40 ans. Oui. On est capable, on a de l'expérience. Deux, on a du recul et on est capable de gérer le stress d'avoir son entreprise, qu'on soit travailleur autonome ou qu'on ait carrément un groupe d'employés. Moi, j'appelle, c'est mon jargon personnel, j'appelle pas gérer le stress, j'arrive à positionner le stress. Parce que les gens, c'est qu'ils le mettent tous, ils le prennent tout personnel, tout ce qui arrive, et là, ils sont plus capables de parce que c'est trop, il y a une surcharge. Mais quand j'arrive à le positionner, ça c'est à moi, ça c'est à toi, ça c'est ici, ça c'est... Et moi, non, ça c'est moi. Et là, ouf, il y a un dégagement, et là, il y a une meilleure gestion après. Tout à fait. Mais c'est vrai que ça prend des années. et le stress, c'est une énergie. Parce que ça nous donne des choses. Moi, c'est un travail que j'aime beaucoup faire avec les adolescents, c'est de leur montrer que s'ils n'ont pas de stress... ils ne peuvent pas fonctionner à l'école. S'ils ont trop de stress, ils ne peuvent pas fonctionner. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Donc, de vouloir enlever le stress, c'est quelque chose de bien triste. Il y a Sonia Lupien qui a écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle « Par amour du stress ». Le stress fait partie de notre réalité de tous les jours. Ça nous amène à développer parfois une partie de notre talent à travers ça. Oui, à le pousser tout le temps un peu plus loin. Tout à fait. Toujours. Le stress permet, justement. Oui. Et donc, si on est capable de bien gérer le stress, de se voir aller, donc de ne pas reproduire nos mécanismes de défense, tu vois, il y a dans une histoire que je raconte pareil de temps en temps, c'est un couple qui se bat pour essayer de sauver la vie de son enfant. C'est une histoire réelle, ça. L'enfant est très gravement malade et les parents doivent arriver à trouver une solution pour pouvoir arriver à le soigner et lui permettre d'avoir une vie la plus autonome possible. Et pendant qu'ils sont dans le combat pour leur enfant, la maman se transforme en Jeanne d'Arc, le papa se transforme en Ivanhoe. Ces deux super-héros qui vont pouvoir arriver à repousser les limites pour pouvoir arriver à sauver leur enfant. Le seul problème, c'est quand le soir, ils se retrouvent Jeanne d'Arc et Ivanhoe, ça ne fera pas mon ménage, ils vont se batailler encore. Donc, il faut qu'ils arrivent à se détacher de leur rôle
de super-héros pour sauver leur enfant, pour que Martin et Martine puissent se retrouver et de cette manière-là arriver à recréer une relation d'intimité qui va pouvoir leur permettre de se guérir en même temps, parce que l'intimité c'est de se régénérer, de s'apaiser, de retrouver le plaisir dans la vie, parce que quand on est tout le temps dans le combat, c'est difficile de trouver que la vie est belle. Donc d'arriver à se détacher de nos différents rôles, que ce soit Jeanne d'Arc, Ivan Noé, qui est nécessaire à certains moments. Moi je l'appelle le manteau. Mm-hmm. Là, j'ai même mon manteau, et il est nécessaire ici, sinon j'arrive pas à mon but, à mes fins, mais je dois pas oublier de l'enlever. Oui, tout à fait. Et si tu vois, enlever mon manteau, là, je me retrouve plus, justement. C'est le fameux phénomène que Guy Corneau appelle le personnage. Oui. Et là où je suis pas tout à fait d'accord avec lui, dans le sens que lui dit, bon, il faudrait qu'on dissolve notre personnage, qu'on l'élimine, qu'on ne l'utilise pas. Non, il est utile. Il est utile, exactement. C'est pour ça que je préfère ton terme de manteau. Quand j'ai besoin de mon personnage, que je l'utilise. Et je suis content de l'avoir. Oui, parce que c'est une ressource. Exactement. Si j'essaye de le dissoudre, il va revenir de manière très très subtile et ça peut créer même à la rigueur des doublements de personnalité. Donc il faut faire très attention. Nos défenses, elles nous sont utiles. Il faut les utiliser à bon escient. Elles nous ont sauvés à un moment. Mm-hmm. Mais la difficulté, justement, c'est l'identification et qu'on reste pris avec là où on n'en a plus besoin. Et là, c'est trop de stress, c'est trop de... Mais merci. Et moi, je le remercie. Parce que merci, tu m'as servi. Je te mets au rencard jusqu'à ce que j'ai besoin de toi. Exactement. Je sais que tu existes. Mm-hmm. Donc, je connais mon potentiel de pouvoir pousser ou... mais je n'ai pas besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas ce stress-là. Je vais prendre celui-là. Alors, celui-là, mais je me sens plus amoureux. Mais pas toujours. Alors, celle-là aussi, je peux le mettre de côté. Et le défi, et là, on tombe un peu dans la philosophie orientale, la philosophie zen, c'est d'arriver à ne plus jamais avoir de manteau, mais par choix. Dans le sens que je ne me sens plus en danger. Moi, j'ai commencé à découvrir ça il y a une vingtaine d'années en travaillant avec des enfants sourds-aveugles. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne parlent pas. Donc, leur communication est extrêmement sensible, malgré qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne voient pas, à l'ambiance. Ou à la tension que je peux avoir dans mon corps. Donc, comment est-ce qu'un enfant sourd-aveugle qui est assis sur moi, couché sur moi, comment est-ce que moi je peux diminuer mon degré de tension pour être capable de rentrer dans une relation émotivo-tonique avec lui, de manière à ce que lui puisse se déposer. Parce que si je suis rigide, il va être rigide. Alors, quand j'ai découvert ça il y a 20-25 ans, c'est je me suis rendu compte à quel point, hop là, Ivan Noé, il est là souvent. Trop souvent. Trop souvent. Comment est-ce que je peux l'enlever? Comment est-ce que je peux lui dire de temps en temps, reste donc dans le garde-robe pour le moment, j'ai pas besoin de toi. Je te prendrai quand j'aurai besoin de toi. Et ainsi de suite. Et donc, avec mes enfants, ça me permet de pouvoir me relâcher. Et c'est ça la cohérence encore. Tout à fait. Donc, tu te mets en cohérence avec toi-même. L'autre par résonance, le perçoit, parce que justement, ils sont sensibles à tout ce qui est environnement. Et ça, on le sait, même nous, les adultes, on l'avoue pas, mais on est dans une pièce tous les deux, et on a une personne qui nous poursuit. Mm-hmm. Pour X raisons, comme ça. Et elle fait juste entrer dans la pièce, notre niveau de stress vient. On le ressent qu'il est là. On ressent. Et les gens disent non, oui. Et ça, on fait des tests même, puis les gens ressentent. Et ces enfants-là, beaucoup plus. Mm-hmm. Tout à fait. Et regarde, un exemple, quand on est sur l'autoroute, quand on commence à dépasser une voiture, commence à essayer de regarder la personne que tu es en train de regarder. Automatiquement, elle va tourner son regard. Oui. D'accord? Donc, c'est difficilement mesurable d'un point de vue scientifique parce qu'il n'y a pas de lien linéaire dans toutes les situations. D'accord? Donc, à ce moment-là, les scientifiques ont tendance à dire ça n'existe pas. Je n'ai pas encore l'instrument pour le mesurer, donc ça n'existe pas. Exactement. Mais en même temps, ça fait partie des phénomènes qui, justement, existent. Ah oui. Mais là, tu l'amplifies parce que tu es en contact avec cet aspect-là. Donc, étant plus conscient, tu l'as encore amélioré. Et c'est exactement, moi, ma philosophie de base, c'est vraiment la philosophie taoïste et justement zen, qui fait que, je ne me mettrai pas dans la situation qui va faire que je vais avoir besoin du manteau. Mais comment tu fais ça? Parce que je suis en harmonie le plus possible avec moi-même. J'essaie de l'étendre, je ne provoque pas la situation. Tout à fait. Et ça vient. Donc, c'est super génial. Et pour moi, mon défi, c'est quand je suis dans le milieu universitaire. Parce qu'il y a beaucoup de tensions, c'est très, très cérébral. Et pour moi, c'est facile de monter dans à intellectualiser ce que je vis, mais c'est de rester connecté à ce que je suis. Ouais.
Mais en même temps, je perçois beaucoup de chance, beaucoup de choses, pardon, de l'environnement dans lequel je suis. Il est palpable. Et il est très, très palpable. Mais ce serait facile de remettre mon manteau et de choisir de rester là, dans ce que je suis, tout en étant en interaction avec d'autres personnes, puis de respecter aussi que l'autre personne, elle est là où elle est. Oui. J'ai pas le goût de la changer. Elle a le droit d'être qui elle est et de gérer sa vie comme elle l'est. C'est sa vie. Exactement. Donc, tu sais, vivre et laisser vivre, parfois, c'est utile et ça fait partie aussi de notre, si je veux empêcher l'autre de vivre comme il vit, bien entendu, à partir du moment où il respecte le béaba quand même des habiletés sociales. Exactement. Mais si j'essaie de changer sa manière d'être, c'est une autre forme d'avis que j'ai. C'est exactement ce que j'allais dire. Je devrais me regarder à ce moment-là. Donc, il y a quelque chose que je veux changer chez moi que je n'accepte pas. Wayne Dyer, elle a fait une belle citation sur un thème comme ça. Il était en conférence, justement, devant une grande salle. Donc, il attire beaucoup de gens. Et il disait, aujourd'hui, je me sens pas bien, donc je devrais tous vous envoyer en thérapie pour que j'aille mieux. Et c'est ce qui se passe malheureusement souvent dans nos familles, dans nos classes. Oui. Je ne suis pas bien, je suis en survie dans ma classe, je suis en survie, donc j'ai besoin que les enfants prennent soin de moi pour éviter que ma survie... Et c'est ça qui est triste. Et c'est triste, là. Le professeur a le droit d'être en survie, le professeur a le droit d'être anxieux, le professeur a le droit d'être professeur. Exactement. Et son anxiété peut être une bonne ressource pour l'aider à être plus rigoureux et plus en cohérence. Mmh. Mais malheureusement, on s'attend à ce que tous les enfants prennent soin de l'adulte et c'est là que c'est problématique. Oui. Soit autre chose que ce qu'ils sont. Tout à fait. Mais ça ne fonctionne pas. Non. C'est là qu'on en arrive à des taux de médication actuellement au Québec qui oscillent entre 20 et 30% dans les écoles. Puis ça, c'est des chiffres officieux qui viennent de commissions scolaires, avec une moyenne qui se situe aux alentours de 23 à 25% d'enfants médicamentés. C'est pas logique. C'est vraiment pas logique. Non. Vraiment, on s'attaque pas au problème. Non. Déjà là, on ne voit même pas sur le bonhomme. Mm-hmm. Déjà là, on ne prend pas en considération justement ce que vit l'enfant. L'enfant vient au monde. Tu es beaucoup plus clair avec moi là, tu vas le confirmer. Okay? Je perçois énormément. Mm-hmm. Mon input est très développé, mais mon output, ma façon de m'exprimer, je dois l'expérimenter. Je ne sais pas encore comment. Le comment, je ne l'ai pas. Ça ne veut pas dire que je vis rien. C'est pas parce que je peux pas. On croyait avant que l'enfant ne sentait pas la douleur. Mm-hmm. Donc, on circonciait les enfants un petit peu. Là, pourquoi ils pleurent s'ils ne sentent pas la douleur? Il y a 20, 25 ans, c'était encore comme ça. C'est ça, je dis. C'est pas vieux, là. C'est pas longtemps, là. Puis on croyait que parce qu'il ne peut pas exprimer quelque chose, qu'il ne le vit pas. Non. J'ai adoré les travaux de Françoise Dolto, où lors d'une expérience, démontrait que l'enfant comprenait. Pas nécessairement aux mots, mais justement, comme tu disais, à l'ambiance, à l'émotion, aux vibrations qu'on envoyait, mais qui ne pouvait pas retourner ce qu'il percevait. Et là, les scientifiques autour d'elle disent « Non, c'est pas possible. » Elle dit « On fait une expérience. » Elle mettait un bébé sur une table, couché, et elle disait, avec l'intention, « Bébé, retourne-toi vers moi. » Le bébé se retourne à chaque fois. Elle dit « Vous voyez, il comprend. Il est naissant, il comprend pas le verbe. » Il comprend. Il comprend l'intention que j'aimais, mais il ne peut pas me répondre. En tout cas, il ne peut pas me répondre avec le degré d'intellectualisation que je m'attends. Que je m'attends. Exactement. Ça. Parce que le bébé est capable de communiquer. C'est nous qui ne savons pas lire la manière dont communique le bébé. Parce que tout le visage de l'enfant va donner de l'information. Les mimiques qu'il va avoir nous donnent de l'information sur ce qu'il vit. On doit le décoder. Et c'est à nous de le décoder, c'est à nous d'être assez observateur pour arriver à développer. Et je me souviens quand je faisais mes études en psychomotricité il y a 25 ans, on me disait, l'enfant perd 80% de sa capacité de s'exprimer avec des mimiques simplement parce que l'adulte ne répond pas à sa mimique. Pourtant, Dieu sait si les mimiques vont même induire, même encore aujourd'hui, les gens qui font de la PNL disent que 87% de la communication est non-verbale. Donc, elle est mimique. Mm. Ce sont les mimiques de notre visage qui informent de beaucoup de choses l'autre. Mais si on n'y tient pas compte, on peut se retrouver dans des conflits ou dans des situations émotionnellement désagréables juste parce qu'on n'a pas décodé ce que l'autre vit ou comment il l'exprime. Exactement. S'il envoie un message qui n'est pas reçu, ben, il est inutile d'envoyer le message, donc je vais essayer d'une autre façon. Et c'est ça un enfant en difficulté. C'est un enfant qui n'est pas compris. Tout à fait. Donc, c'est pas un enfant qui est dérangeant. Non. C'est son un façon enfant. De déranger lui dit « je ne suis pas compris ».
Tout à fait. Et en fait, moi, j'aimais bien l'expression que tu avais utilisée dans tes livres. Quand un enfant qui est dérangeant, c'est un enfant qui me dérange. Mmh. Et la rigueur de reconnaître qu'il me dérange, c'est déjà une bonne chose. Parce que je me réapproprie ce qui m'appartient. Mmh. À partir de là, c'est quoi son besoin? Exactement. Et c'est là qu'on retombe de nouveau dans le travail que tu as fait avec Hélène il y a quelques années. C'est quoi les besoins fondamentaux de l'enfant? Comment est-ce qu'on peut, en travaillant sur l'ambiance de la famille, en travaillant sur l'ambiance de la classe, on peut arriver à développer des comportements chez l'enfant qui vont être la partie la plus noble de l'être humain, plutôt que de l'encourager à développer ses comportements de défense? Donc c'est primordial. D'où de comprendre cette histoire-là. Donc, de le faire, cet exercice-là. Tout à fait. Et une fois que je l'ai, comment tu peux m'aider? Donc, moi, j'ai pris 2-3 jours même à le faire, parce que, comme tu dis, au début, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais le fait de chercher, il y a ça surgit à un moment donné. Oh, un autre souvenir ici. Oui. Oh, et là, je me fais le devoir, la discipline, d'aller le repositionner selon les feuilles comme tu as décrit, et de le repositionner. Et là, j'ai eu 3 jours, là, j'ai... Il y en a qui vont le faire, c'est sûr, accompagner, on peut. Mais j'ai pris 3 jours pour le faire. Mais là, je vois ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est de décoder c'est quoi mes peurs, c'est quoi mes croyances. Parce que dans les situations, qu'elles soient agréables ou désagréables, il y a souvent des éléments de peur qui vont jouer et des éléments où je me crée des croyances. Parce que les croyances, tu sais, il y a des gens qui disent des vraies croyances et des fausses croyances. Pour moi, toute croyance est erronée. C'est juste une manière d'intellectualiser une expérience qui a été faite. D'accord? Et de la généraliser. Donc, c'est quoi mes croyances? Si, par exemple, je suis un enfant et mon père, par exemple, c'est un joueur de hockey, super bon, super compétent, il arrive à la Ligue nationale, il se casse le genou lors du camp d'entraînement, malheureusement, c'est terminé pour lui, la carrière est finie. Sauf que c'est un bon gars. Et en tant que bon gars, ben, il dit, c'est pas grave, moi je vais aider des enfants. Comme je connais le processus pour se rendre à la Ligue nationale, je vais aider les jeunes. D'accord? Et donc, le samedi et le dimanche, parfois le mardi et le jeudi en plus en soirée, papa, il est en train de faire du hockey. Et il est d'une gentillesse, une cohérence, une bienveillance généreux, envers les enfants. Disponible. Et... Si je veux être prêt, papa, qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'aille faire du hockey? Eh oui. Faut que j'aille là où lui a donné. Là, il est. Mais si moi, mon talent naturel, c'est d'être pianiste, qu'il n'y a pas de piano, il n'y a pas de guitare, qu'on n'écoute pas la musique, ben, je vais à ce moment-là aller avec papa. Et oui, je vais bénéficier de sa bienveillance parmi le groupe et de son encadrement. Ça va être quelque chose de bon. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut avoir induit. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur si je ne suis pas avec papa. J'ai peur que papa ne m'aime pas. J'ai la croyance que papa ne m'aimera pas si je veux faire autre chose. Exactement. Et c'est donc, même dans des situations agréables, il y a des éléments de peur et de croyance qui vont induire des comportements que je vais avoir quand je serai adolescent et adulte. Et de là, je peux le décortiquer avec un recul, faire une analyse, ou aller voir justement quelqu'un qui a une habilité à le décoder, parce que c'est pas donné à tout le monde, et de là, dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout à fait. Parce que, tu vois, on se blesse en relation, c'est difficile de se guérir sans être en relation. Ce qui est intéressant avec les neurosciences, c'est que on a mis des gens dans des scanners, tu sais, c'est une manière de pouvoir lire comment fonctionne le cerveau en fonction de différentes pratiques psychothérapeutiques, que ce soit du cognitif au comportemental, de l'humaniste, du systémique ou du psychocorporel, psychodynamique, psychanalyse. En bout de ligne, premièrement, on voit que le cerveau se réorganise. Donc la psychothérapie, ça guérit. Donc, ça aide à reconfigurer le cerveau. Exactement. Okay. Toute la plasticité. Exactement. Et ça crée justement les liens qu'on va faire et ainsi de suite. Ça met plus de fluidité dans notre compréhension de la vie. Donc on a de meilleures ressources pour laisser le manteau dont on n'a pas besoin dans le garde-robe. Mais l'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est que la technique en elle-même, elle n'est pas importante. C'est la première chose qui permet la transformation de comportement, c'est la qualité du lien entre le thérapeute et le patient. C'est certain que moi, je suis plutôt psychodynamique, systémique, je suis moins cognitivo-comportemental. Donc, de devoir appliquer une pratique qui serait plus cognitivo-comportementale, qui a ses avantages, je ne serais peut-être pas à l'aise. Si je ne suis pas à l'aise avec ma technique, je ne serais peut-être pas à l'aise avec mes patients. D'accord, les mêmes résultats. Et j'aurais probablement pas les mêmes résultats parce que moi, je serais en déséquilibre. Alors que je suis plus habile dans la partie plus psychodynamique et systémique. À l'inverse,
quelqu'un qui est TCC, technique cognitivo-comportementale, va être probablement très mal à l'aise avec des techniques qui sont plus corporelles, avec le jeu par exemple. Mm-hmm. Donc que lui fasse bien sa technique, que moi je fasse bien la mienne, mais avant toute chose, que je crée un lien et que ce lien-là va permettre en fait de pouvoir aller refouiller éventuellement dans le passé, dans un contexte où j'ai quelqu'un avec lequel j'ai un bon lien qui va me permettre d'évoluer. Parce que si je retrouve une peur ou des croyances de mon enfance et que j'ai des montées d'émotions, j'ai besoin de quelqu'un solide à côté de moi. Yeah. Et c'est cette personne solide qui va m'aider à utiliser l'expérience du passé comme étant une belle référence pour moi. Et accéder à mes ressources. Oui, et c'est souvent pour ça que j'explique aux gens, ce n'est pas la technique qui est efficace, mm-hmm. c'est le thérapeute. Oui. Donc le thérapeute avec la bonne technique, c'est pas la technique, c'est encore mm-hmm. le thérapeute. Et c'est quoi le thérapeute? C'est celui qui peut être présent à l'autre, justement, en relation, mm-hmm. aussi, et la personne se sent en confiance et s'ouvre. Mm-hmm. Et il y a des gens comme ça, qui n'ont pas de formation de thérapeute, et tu t'assois à côté d'eux et tu as le goût de compter ta vie. Tu sens cette présence, cette ouverture-là, c'est plus important que la technique. Oui. Parce que la technique sent cet aspect-là, mm-hmm. comme tu expliques, j'ouvre pas. Mm-hmm. Ou je suis pas en sécurité. Et ça, je l'ai vu, je l'ai constaté plusieurs fois moi-même en thérapie, où les gens arrivaient puis s'installaient et ça met à éclater, à pleurer et dit j'ai fait 10 ans et j'ai jamais été capable de pleurer. Puis avec toi, je sais pas, je pleure tout le temps. Mm-hmm. C'est parce qu'il y a une connexion. Parce que j'en lâche. Je relâche tout ce qui a toute la retenue de tout ce que j'ai gardé mm-hmm. en moi pendant des années. Je peux enfin me permettre de poser ce que j'appelle. Tu peux te exactement. Poser en ma présence parce que je suis capable de te recevoir et ouais. tu me sens disponible. Mm-hmm. Beaucoup plus que... j'ai même pas utilisé de technique encore. Tout à fait. Donc, d'où l'importance. Comme tu dis, elle est très, très, très importante. C'est le phénomène, moi, j'appelle le concept de contenant. J'aime beaucoup, en conférence, expliquer le concept de cette manière-là. Quand on se verse une tasse de café et qu'elle déborde sur le comptoir, là, et je demande aux gens, c'est quoi votre premier réflexe? La plupart des gens vont dire, je vais éponger. Ou je sacre. D'accord. Oui, oui. Exactement. On est tellement préoccupé par notre maladresse qu'on oublie d'arrêter de verser. Oui. D'accord. Donc ça montre à quel point on a peur du regard des autres parce qu'on est déjà en essayant de corriger quelque chose de mal. Comme si on avait mal fait. Regarde, j'ai juste renversé du café. Certains, c'est mon livre préféré à côté. C'est dommage, d'accord. Oui. Mais en même temps, bon, ben regarde, c'est un accident. Oui. Si je dis vous avez votre tasse de café, mais en dessous de la tasse de café, vous avez une petite assiette et que ça déborde. Ben, à ce moment-là, les gens vont être moins attentifs à leur maladresse parce qu'il y a une petite tasse, je vais arrêter de verser, puis bon, je vais un peu éponger, puis heureusement, j'ai la soucoupe en dessous qui évite que ça se répande. L'adulte, pour l'enfant, c'est la petite assiette en dessous de la tasse de café. Le psychothérapeute, pour le patient qui vient le consulter, le psychothérapeute, c'est l'assiette. Je peux déborder, j'ai plus besoin d'être dans toutes mes retenues. Je peux me permettre d'être qui je suis et je vais apprendre à développer un contenant qui va être de plus en plus large. Si je reviens au jeu que je fais avec les enfants ont besoin de développer un contenant qui passe de la tasse de café vers le bol, vers la marmite, vers l'aquarium. Okay? Mais ça, c'est cette augmentation du contenant. Ou dans un aquarium, je peux mettre plus de café que dans une tasse de café, on s'entend. C'est la fluidité de mon cerveau, la fluidité de ma pensée, la fluidité de mes émotions. Mon cerveau s'organise, se réorganise continuellement. Et à partir de ce moment-là, j'ai un meilleur contenant, donc je peux mieux gérer mon stress. Le stress sera toujours là, mais ne sera plus omniprésent ou submergent. C'est ça. Le stress n'est pas malsain. Non. C'est ne pas savoir comment agir ou réagir mm-hmm. avec le stress, le subir, autrement dit. Autre. Mais si tu me donnes, si j'ai des outils, ou si je te parle, mm-hmm. le stress, merci, je vais m'en servir. Tu sais, on a une pensée magique bien souvent. On a l'impression, quand on fait du développement personnel, dans pas longtemps, on n'aura plus de problème. Okay? Et que, parce que je fais 20 ans, c'est 20 ans que je travaille sur moi, j'ai encore des difficultés. Mm-hmm. Mais c'est ça la vie. Moi, j'aime beaucoup prendre l'exemple du Dalai Lama. Mm-hmm. Peut-être qu'il représente une figure en ayant tellement travaillé sur lui depuis 70 ans, qui pourrait être une des personnes les plus... Un modèle. Plus grand modèle. Mmh. Pourtant, ça fait quand même 50-55 ans
qu'il n'a pas le droit de retourner dans son pays, et qu'à chaque fois qu'il se déplace, il y a toujours une difficulté entre la Chine et le pays qui l'accueille. Donc ce n'est pas parce qu'on a fait du développement personnel que les difficultés s'estompent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des meilleures ressources pour gérer les difficultés qui se présentent. Mieux outillé. Tout à fait. Pour faire face. C'est bien. Tu es aussi l'auteur de plusieurs livres, donc ça, c'est le dernier. Oui. Le dernier. J'adore le titre, hein? Dire oui à la vie. Et quand on le lit, on voit différents aspects, justement, où c'est des moments ou des passages dans la vie où les gens disent oui à la vie. Là. Et c'est le moment des fois, de le faire et c'est important. Mais je sais qu'il y a une émission qui a été... mais là, je ne suis pas certain. Est-ce que l'émission a été avant le livre ou le livre? En fait, les deux projets sont intimement liés. Dans le sens que ça, ce livre-là, c'est le deuxième, c'est le deuxième livre d'une série qu'on écrit avec un groupe de thérapeutes, chiro, ostéopathes, infirmières, psychologues, kinésiologues. Donc, on est un regroupement où on se rencontre de manière assez régulière pour essayer de favoriser une meilleure compréhension de la santé en nous-mêmes. Puis, on s'exprime à travers la série livre et l'émission de télévision. Et en fait, donc le premier livre qui est sorti, c'était Devenir soi. Oui. Et l'émission qu'on a créée au départ de Devenir soi s'appelait Oui à la vie, qui est animée par Louise Deschâtelet et par moi-même. Et en fait, les collaborateurs du livre sont intimement liés comme chroniqueurs dans l'émission. D'où le deuxième livre. D'où le deuxième livre, Dire oui à la vie. Et puis un troisième livre qui est en préparation, tout à fait. Qui s'en vient. À qui s'adresse? Mais tu vois, j'ai un début de l'émission. Parce qu'il y a les deux maintenant. Elle va être diffusée. Elle est actuellement en diffusion sur TV Cogeco, puis il y a un autre réseau qui normalement devrait embarquer dans le projet, ce qui fait qu'elle devrait être relativement accessible. Sinon, tôt ou tard, elle se retrouvera sur Internet. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui lisent et qui aiment ça lire, et il y a des gens qui ont plus de difficultés avec la lecture. Donc en fait, que ce soit un support audiovisuel, comme cette émission qu'on tourne ensemble pour le moment, ou que ce soit un support de livre, ça s'adresse plus ou moins aux mêmes personnes qui ont le goût de pouvoir s'impliquer dans leur vie et de transformer ce qui est transformable pour pouvoir arriver à vivre de plus en plus conscient, heureux, cohérent et bienveillant. Et sous la facette de différentes personnes. Différentes personnes. Parce qu'on sait qu'un même concept expliqué par une tierce personne, selon qui je suis, je peux le comprendre mieux sur cette facette-là que sur une autre. Oui, et il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à aller voir un psy et d'autres qui vont avoir plus de facilité à aller voir un chiro. Il y en a d'autres qui vont préférer un ostéopathe, il y en a d'autres qui vont préférer un kinésiologue. Donc, respecter la sensibilité de chacun, tout en sachant aucun professionnel ne peut résoudre à lui tout seul les problèmes. La première chose, c'est la personne. Et moi, en tant que personne, de quoi j'ai besoin? Et peut-être que pendant un moment, ça va être des techniques de gymnastique qu'on peut appeler la méthode de libération de cuirasse, ou c'est aller voir un chiro, c'est aller voir l'ostéopathe parce que j'ai besoin d'une approche plus corporelle avant d'aborder le côté psychologique. Pour d'autres personnes, ça va être le côté plus psychologique avant d'aller dans le corps. Oui, éventuellement. Ne touchez pas. Exactement. Donc, le tout, c'est de respecter sa dynamique, de respecter qui on est et de mettre en place une manière de gérer notre vie qui est en cohérence avec la noblesse de l'être humain. Oh, c'est bien dit ça. Et maintenant, j'aimerais que tu me parles justement de l'Institut ici. Ok, l'Institut ici, c'est un projet que l'on avait, moi je l'avais en tête depuis une bonne vingtaine d'années, dans le sens que je voulais offrir des moyens qui permettent aux personnes de trouver différentes solutions pour pouvoir justement développer une meilleure autonomie émotionnelle et corporelle. À partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on l'organise? Puis au départ, c'est certain que j'aurais peut-être dans l'idée que tout le monde serait réuni dans le même bâtiment, mais en même temps, on est tous des professionnels de la santé qui sont des travailleurs autonomes parce qu'on est en marge du système officiel. On travaille avec le système officiel, mais malheureusement, n'ont pas toujours l'ouverture nécessaire pour pouvoir faire des activités ou des interventions de cet ordre-là. Mais donc, en fait, l'objectif, c'est qu'une personne puisse trouver qu'est-ce qui est bon pour lui pour pouvoir arriver à cheminer. Et donc, à ce moment-là, c'est un regroupement. Il y en a plusieurs qui travaillent ici à l'Institut physiquement parce qu'il y a des bureaux pour qui accueillent des professionnels. Mais il y en a d'autres dans nos collaborateurs qui ont leur clinique à gauche ou à droite autour. Comme des affiliations. Des affiliations de manière à pouvoir répondre à leurs besoins. Puis c'est correct, en fait, parce que, de nouveau, moi, j'ai pas la volonté. C'est qui la clientèle? Mais toutes les personnes qui ont envie de se transformer.
toutes les personnes qui, quand... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais non. Comme je vois, tu as le jeu, parce que tu as une spécialisation, mm-hmm. ou non, avec les enfants. Mais je crois que oui, je sais que... Mais écoute, moi, je te dirais que j'accueille des enfants de 2 ans jusqu'à 4 ans. Et ça, c'est pas tous les... C'est pas... oui. Mais c'est pas tous les gens qui sont à l'aise avec les jeunes. Non, on s'entend, tout à fait. Puis comme moi, j'ai développé beaucoup d'habileté à m'adapter aux besoins de la personne. Pour avec, moi, avec toute l'expertise que tu as eue avec les exactement. Enfants sourds, muets et... Oui, entre autres. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, je m'adapte aux besoins. Et quand j'accueille quelqu'un mettons, qui a 80 ans, qui est en train de... Mettons, qui vit un deuil parce que son épouse est décédée quelques mois ou quelques années auparavant, puis qui veut arriver à reprendre le goût à la vie malgré le deuil qui est obligatoire parce que son partenaire est parti, ben, ce sont des enjeux, je vais m'adapter à son besoin. Puis peut-être que ça va être plus en discussion que ça va se faire. Alors qu'avec un enfant de 2 ans, ben, je ne vais pas me mettre à discuter, j'ai besoin d'être assis, j'ai besoin d'être couché. Et je suis quelqu'un qui a besoin d'une grande, grande variété. Je suis quelqu'un de défi, je suis quelqu'un de... j'aime pas la routine. Donc, je suis pas à l'aise dans la routine, donc c'est pour ça que moi je m'adapte assez bien. Et la vision en psychodynamique, c'est que comme c'est que le processus de développement émotionnel de la personne qui est l'outil sur lequel on travaille, l'axe sur lequel on travaille, c'est pour ça que c'est assez facile de s'adapter à différentes choses. Alors que si j'avais une formation plus cognitivo-comportementale, où la technique est plus rigide, en tout cas plus première séance on fait ça, deuxième séance on fait ça, troisième séance on fait ça, parfois c'est plus structurant et ça rassure tant le thérapeute que le patient, mais si j'avais développé des techniques plus cognitives ou comportementales, je ne pourrais probablement pas avoir une aussi grande variété. Et donc en fait, si je reviens à ce que, qui peut venir ici, ben, on a des activités de MLC, méthode de libération de cuirasse, c'est une ostéopathe, et on a un coach en mieux-être financier qui est là, parce que la santé financière, c'est pas quelqu'un qui va dire faites un placement à gauche, faites un placement à droite, mais l'argent c'est une énergie. La relation à l'argent, la difficulté chez les gens. Et donc, de pouvoir arriver à développer de saines habitudes face à l'argent, c'est quelque chose de nécessaire. Donc, c'est là qu'on est plusieurs professionnels, puis on essaie de répondre aux besoins des personnes. Donc, si on se pose des questions, si on se cherche, si on a des malaises, des inquiétudes ou des trop grandes, vous êtes une ressource. Oui, tout à fait. Puis moi, une chose que j'aime bien faire aussi avec les familles, c'est créer un vocabulaire commun. Parce que ton vocabulaire et mon vocabulaire, certains qu'on connaît un peu notre parcours respectif et nos travaux respectifs sont relativement proches. Mais en même temps, il y a des mots, il y a des subtilités dans chacun des mots que tu peux utiliser ou dans les mots que je peux utiliser qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais dans un couple, c'est pareil. Quand madame dit ceci, quand monsieur dit cela, la manière dont c'est reçu, au-delà de l'énergie, de l'émotion qui peut être derrière, c'est que le mot n'a pas toujours la même portée. De nouveau, nos croyances de l'enfance vont induire la portée du mot. D'accord ? Par exemple, si je prends juste une comparaison avec l'anglais et le français. Le mot en français « contrôler » et le mot « to control » en anglais, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus souple dans l'anglais que dans le français. Le français est plus rigide à ce niveau-là, au niveau de la signification du mot. Mais si moi j'ai une compréhension du mot « contrôle » à travers la philosophie anglaise ou l'approche, la culture anglaise ou la culture française, dans un couple, ça va venir s'accrocher avec nos enfants aussi. Les commandes créent un vocabulaire commun pour pouvoir arriver à favoriser une harmonie familiale. Donc, il ne faut pas toujours être nécessairement dans une situation où il y a de la pédopsychiatrie ou autre. C'est simplement parfois de se donner des outils pour pouvoir arriver à être heureux ensemble. Amener cette cohérence-là. Tout à fait. Ah, mais c'est bien ça. Je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir. Et bon succès à ton institut. Merci beaucoup.